Ça, je ne sais pas si c'est de l'écriture arabe, mais si quelqu'un peut me décrire, ce serait un beau petit défi de me traduire ça. C'est une vraie écriture, bien sûr. Je ne sais pas si les concepteurs seraient cassés le cul à faire des belles écritures arabes, alors que personne n'aurait fait attention à... Personne n'a fait attention au décor pour le moment. D'ailleurs, ça me fait penser à un film. Dites balançoire. C'est quoi le désordre? Tu me dis pas tout de suite ce que je veux savoir. En fait, c'était pas Sam qu'on a distribué en fait. Sinon, on vient de délivrer Sam. Merci, Vic. Allez, viens. Ah, je suis Vic. Tu me diras merci quand on se sera tiré. Ah. La cavalerie arrive quand? Bonne question. Wofford, ici Husky. J'ai besoin d'un taxi pour deux, en urgence. Husky, ici Wofford. Putain, c'est votre jour de chance, les gars. Allez, écoutez, dès qu'on vous a localisé. Bien reçu, Wofford. On est à... Nous sommes dans la merde. On dégage! Voilà, je fais une coupure, excusez-moi. Voilà l'équipe de déménagement. Donc mes mains ne seront pas coupées au montage. Comme ça vous pourrez voir nombre de fois où je suis mort. On est là, Basilic! Posez-vous deux secondes, les gars. On va venir vous tirer de là. Parce que j'en ai pas tenu honte de mes mains. Je suis légèrement mort. C'est au plus mes frises. C'est très chaud à jouer. Vic, merci d'être venu. C'est ça la famille, Sam. On laisse pas un frère derrière. Cette opération, ça allait marquer un tournant pour Sam. Même si on allait mettre des années à s'en rendre compte. Bref, le deal qu'il avait passé avec Grimm impliquait des infos sur les IEM et Black Arrow. Et généralement, quand Sam demandait de l'aide, ça voulait dire que c'était énorme. Restait à fixer le rendez-vous. On a choisi la fête foraine du côté du National Mall. C'est bourré de monde,
facile d'accès et pas vraiment pratique pour les types qui sont après vous. Et Sam, il a fini par leur mettre la main dessus. Bon, c'était pour l'épisode 4. C'est-à-dire la mission 4 de ma petite aventure de Splinter Cell Conviction. Hey Sam, j'ai des mecs au cul. Black Arrow essaie de taper l'incruste. Ils savent quand les potes, Vic. Ils te surveillent pour me mettre la main dessus. Merde, c'est vexant, non? Bref, tu t'occupes d'eux discrètement, qu'on puisse parler tranquille? Y'a rien qui change. C'est sérieux, Sam. S'ils te repèrent, j'annule. C'est trop chaud. Alors vas-y. Fonce. J'en profite pour dire bonjour et bonsoir à tous. Hein. Je sais pas si on pourra déplacer les corps. Hey, pourquoi tu me suis? Mais non, 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 je ne vous suivais pas. Je le jure. C'est très mal ça. Qu'est-ce que tu sais sur Victor Cost? Juste le surveiller. Je vous cherche au courant de rien. Oups. Donc je vais utiliser ça pour dépasser les corps. Ça, j'étais pas au courant, quoi. La foule, qu'est-ce qu'elle nous fait chier quand même, hein. Les cibles servent à rien, hein. Voilà, excusez-moi, j'ai été repéré. Hein. Donc je trouve que les civils sont très cons, les gens. Bon point.
Super. Ah, si se faire repérer avec nous par une personne invisible, à mon écran, super. Peut-être qu'il peut voir à travers les murs. Je sais pas. Pourquoi tu t'intéresses à Cost et à moi, hein? Oh, merde! Je dois les prévenir dès que je vous vois. Les renforts attendent, et c'est vous qu'ils veulent. Eh bien, ils vont attendre encore un peu. Voilà, je suis dedans. Ah oui, j'ai pensé mettre plutôt ce garde à chaque victime. Je suis Knight. Tu files Victor Ghost, pourquoi? Vous savez où c'est ensemble, c'est vous qui cherchez sans cesse à les prévenir dès que vous voyez. Je vous ferai les payer à moitié prix. Vous méritez bien ce beau cadeau. Allez, venez découvrir. On apprend un plus. Vic, je me suis occupé de tes fans. Ok. Ça nous laisse un peu de temps avant qu'ils nous envoient d'autres lascars. Mais faut pas traîner. Est-ce que tu connais la zone du côté du monument? Ouais. Il y a un stand isolé juste en face. On se retrouve sur place. Je te ferai entrer. C'est votre toute dernière chance, monsieur. Excusez-moi. Ça tente. Et voilà. Viens, je commence par ça. On n'a pas beaucoup de temps. Leurs renforts vont arriver. On va voir les basiques, et je t'expliquerai le reste au téléphone. Très bien, ça me va. Jette un œil dans le sac, il y a ton arme préférée. Moi, j'ai pas de cadeau pour toi.